Bonjour, moi c'est Camille et aujourd'hui je suis à Brandon en compagnie d'un joueur de hockey aux Wheat Kings. C'est le joueur centre-attaquant. Il a 20 ans et son nom est déjà bien connu dans le monde du hockey. Il s'agit de David Taves. Alors bonjour David, pour commencer, est-ce que tu peux me donner quelques nouvelles de ta cheville qui est blessée? Ben, ça fait. J'ai vu le docteur hier, puis il a dit que je peux jouer dans 2 semaines. Alors, ça va très bien. Au commencement, ils ont dit que ça va prendre probablement 8 semaines. Puis, si je peux jouer dans 2 semaines, ça va faire 4. Alors, ça va très bien. Ah, bonne nouvelle alors. Oui. Bien, bien. Et alors, voilà, je voulais parler avec toi un petit peu de comment tout avait commencé pour toi, le hockey. Comment tu as eu la piqûre du hockey? Qui c'est qui t'a donné le goût finalement de jouer? C'est vraiment mes parents qui m'ont introduit au sport d'hockey. Moi et mon frère, on a toujours aimé jouer ensemble dehors. Mon père, il construisait toujours un patinoire dehors chez nous, puis on jouait toujours ensemble. Puis c'était comme ça qu'on a vraiment commencé à adorer le jeu d'hockey. Ok, et quel âge tu avais quand tu es monté sur les patins la première fois? Je dirais j'avais 2 ou 3 ans. Oh wow! Oui. Et ta première game de hockey, c'était à quel âge? T'es contre qui? Je m'en souviens pas. J'avais seulement 4 ans quand j'ai commencé à jouer, puis j'ai joué sur la même équipe que mon frère. Puis je pense pas que je patinais très bien encore, puis moi, mon frère me passait toujours la rondelle, puis je me mettais devant le but, puis lui, c'est lui qui me passait la rondelle, puis j'avais seulement 4 ans, alors je pense pas que j'étais trop bon encore. Ah, c'est fun! Ouais. Et c'était qui ton joueur modèle quand tu étais jeune? Peut-être pas à 4 ans, là, mais... Ben, j'aimais toujours Timo Solani quand il jouait avec les Jets de Winnipeg, là. Puis quand il est allé à Anaheim avec Paul Kuya, j'aimais vraiment ces deux joueurs-là. Ok, bien. Puis maintenant, justement, quand vous vous retrouvez en famille, ben, j'imagine que c'est pas si souvent, là, vous êtes bien occupés. Mais bon, en tout cas, quand vous vous retrouvez, est-ce que vous jouez toujours au hockey ou est-ce que au contraire, vous aimez ça, faire des choses complètement différentes d'autres sports? Ben, quand on se voit comme famille, c'est la plupart du temps, c'est pendant les vacances de Noël. Puis, on s'en va toujours à Chicago voir Jonathan, puis passer du temps là-bas. Et c'est toujours comme un temps de relâche là, pour le hockey parce qu'on est on est toujours fatigué la moitié à travers la saison, alors souvent on relaxe puis on passe du temps ensemble. Ok, donc il n'y a plus la petite rayure de glace derrière non, chez non, vous. C'est nos voisins qui le construisent maintenant. Oh nice! Ouais, c'est fun. Ben, je te remercie bien et puis on se retrouve bientôt pour la suite.